Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Le troisième carré, c'est 19e-20e, donc qui retrace notamment les périodes des grandes guerres, en fin de compte, avec les potagers, ce qu'on appelait les potagers de guerre, puisque tout le monde, pour manger à l'époque, se sont mis à faire du potager. Chaque lieu, même dans les lieux publics, on avait un petit coin de potager. Au niveau des légumes, on retrouve les fameux légumes de guerre comme le topinambour, les navets, les choux rutabaga, qui sont des légumes qui ont été délaissés pendant longtemps et qui sont actuellement réhabilités, notamment par les grands chefs cuisiniers. Est-ce que les légumes étaient les mêmes dans les jardins ouvriers, dans les potagers de guerre, ou il y a une différence encore entre les deux ? Non, on retrouve dans les jardins ouvriers, sur cette époque-là, essentiellement les mêmes légumes que dans ce qu'on a appelé les jardins de guerre, les potagers de guerre ou les jardins de guerre. Dû à quoi, on ne sait pas forcément. Est-ce que c'était par rapport aux semences qu'on trouvait à l'époque, et je pense que c'était lié quand même à des rationnements qui étaient typiques de ces périodes exceptionnelles, entre guillemets.